plateau de notre émission Au cœur des artistes tradimodernes, nous recevons un artiste de qualité, un artiste talentueux. Cet artiste qui est sur ce plateau, notre invité spécial, c'est un artiste bété qui nous vient de Roi-Gaillot. Roi-Gaillot, c'est une commune qui est située dans le département des Gagnois. Et ici, nous sommes dans la région du Gord. L'artiste se nomme Wanyu Rodrigue. En tout cas, il n'est pas encore devenu un artiste professionnel. Il est sur la voie de le devenir, ça ne serait-ce durer que quelques mois seulement. Mais pour le moment, notre artiste travaille avec ses singles. La radio-télévision Pressway a fait appel à cet artiste parce que nous l'avons rencontré quelque part, nous avons découvert que voilà quelqu'un qui chante tellement bien et qu'il est vraiment convenable que nous puissions faire la promotion des qualités, des talents qui sont à l'intérieur de lui. Pourquoi ne pas faire la promotion de la musique qu'il donne? Parce que nous l'avons écouté, vraiment il nous a fascinés et nous voulons encourager tous ceux qui aiment vraiment produire les artistes de s'intéresser à Rodrigue Wanyu. C'est vrai qu'il a déjà une productrice, un producteur, tout ça, mais quand même, on peut venir en aide depuis la région du Gord, on peut venir apporter son soutien financier à cet artiste. Voilà donc l'artiste Wanyu Rodrigue, jeune bétier de Roi-Gaillot, commune. Il est du département de Gagnois, dans la région du Gord. Et c'est lui que nous recevons sur le plateau de l'émission Au cœur des artistes tradimodernes de la radio-télévision Pressway. Mais avant d'entrer, avant d'échanger avec notre artiste et puis pour vous permettre de le découvrir en entendant, soufflez un peu avec une belle plage musicale grâce à notre technicien. Et puis nous reviendrons sur ce plateau. Je vais te faire un peu de temps.
musicien grâce à qui nous avons écouté une belle plage musicale. Nous revenons maintenant sur le plateau de notre émission Au cœur des artistes tradimodernes. Et comme je l'ai dit, nous recevons l'artiste Wanyu Rodrigue Jeune-Bété, l'artiste en herbe, avec deux singles et qui va devenir dans quelques mois un artiste professionnel, comme je vous l'ai dit. Nous l'avons découvert en pleine prestation. On a vu que c'est un artiste qui chante excellemment bien. Il a une belle voix et il donne la passion d'aimer vraiment la musique tradie moderne. Il est de Roi Radio, comme je l'ai dit, c'est dans la région du Go. Alors, mon cher Rodrigue, bonjour. Bonjour, papa. Nous sommes très heureux de te recevoir sur notre plateau, le plateau du Peuple Ouai. Mais le Peuple Ouai est là aussi pour faire la promotion de tous les artistes tradis modernes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais maintenant que tu salues tout le Peuple Ouai. Tu vas saluer tout le Peuple Ouai, tu vas saluer tout le Peuple Bété, mais on va faire comme ça. Tu vas saluer le Peuple Ouai Bété Guéré, tu vas les saluer avec un très bon à Capella. Merci bien. Allons-y, Rodrigue, c'est parti. Aujourd'hui, je dis merci à tous les artistes ouais, que ce soit ouais, Bété ou Gourou, en tout cas tous les artistes provenant de la région du Gold et d'autres côtés. Mais étant ici, présent avec mon papa, en tout cas, il tenait vraiment à vous dire merci. Mais sachez que je viens et en pleine puissance. D'accord. Voilà, ça c'était juste une salutation que Rodrigue vous a donnée. Maintenant, nous allons rentrer en plein a cappella. Cette fois, il va maintenant nous donner un a cappella de l'un de ses morceaux. Rodrigue, il faut séduire le feu. Ok, il n'y a pas de souci. Wow, wow. En Côte d'Ivoire, les Bété, les Ouai, en tout cas, tous les peuples que nous avons en Côte d'Ivoire chantent vraiment très très bien, mais il faut donner 5 étoiles au peuple Ouai, il faut donner 5 étoiles au Bété, parce que ce sont ces deux peuples aujourd'hui qui font que la musique tradie moderne est vraiment connue du monde entier, et les gens ont envie vraiment de danser. En tout cas, nous restons fiers de ces deux peuples. Alors, mon ami Rodrigue Wanyu, en quelle année tu as commencé à aimer la chanson et tu as commencé à chanter en fait? Bon, il faut dire ton histoire a commencé comment? Ouais, ouais. Ça me fait vraiment plaisir. Il faut dire que depuis tout petit, parce que je viens d'un village que Dieu a vraiment béni. Voilà, ce village s'appelle Sirekou, le village même de Maman Zaba Clarisse. Voilà, il faut dire que dans ce village, tout le monde est pétri de talent. Du plan artistique au niveau sur le plan musical, voilà, c'est vraiment du top. Et depuis mes ancêtres, il faut dire que mon grand-père, ma maman même, c'est une chanteuse. Voilà, mon oncle, mon Gabaloukou, père à son âme, est un chanteur. Voilà, donc c'est par ces ancêtres-là que j'ai appris à chanter, j'aimais la musique. Heureusement, je suis étudiant encore à l'université Félix Houphouët-Boigny, mais tellement j'aime la musique, je m'adonne à la chose. Pour que demain, Dieu puisse m'accorder quelque chose. Très bien. Ah, là, c'est formidable. Il est étudiant et en même temps aussi, il fait la musique. Donc, il fait les deux en même temps à la fois parce que, intellectuellement parlant, Dieu lui a fait des dons. Et puis, au plan musical, Dieu aussi lui a fait des dons. Donc, vous voyez que dans la musique tradie moderne, vraiment, nous avons beaucoup de qualité, beaucoup de qualité. Alors, Wanyu Rodrigue, comment tu arrives à mettre ensemble et les études et la musique? Faut dire que c'est pas vraiment une petite tâche.
Mais quand tu aimes la chose, Dieu te donne toujours le pouvoir, le courage de pouvoir discerner les choses. Donc, en même temps que j'ai un emploi du temps qui est très chargé sur le campus, mais je me donne encore un autre emploi du temps avec la permission, avec ce qui me donne comme force. Et puis, j'essaie de me trouver un emploi du temps. Je bosse en même temps. J'ai quelques amis qui sont aussi artistes. Voilà, j'essaie de rejoindre ces gens, les personnes, mes collègues, que j'appelle mes collègues. On bosse ensemble sans toutefois oublier que j'ai un emploi du temps au niveau du campus. Donc j'essaie de trouver un emploi du temps et en fonction de ça, je joue. Concernant aussi comment mon inspiration vient, souvent c'est à travers mon sommeil. Parce que je n'ai pas trop le temps de réfléchir, d'écrire mon truc. D'accord. C'est ça. Voilà, donc c'est quand je dors, c'est les paroles qui me parviennent, c'est ce que je fais sortir au lendemain matin. Et voilà comment il pense que les qualités me parviennent. D'accord. Et la celle qui te soutient, comment elle s'appelle hein? Concernant ma productrice. Bon, Maman Zagba Clarisse. D'accord, ok, merci bien. Maman Zagba Clarisse et son époux Agostino, dit fils du peuple Ouai, qui est allé en vacances en France. Voilà votre artiste que nous avons découvert. En pleine prestation et nous avons été fascinés, séduits. En tout cas, nous sommes fiers de faire sa promotion et nous invitons tout le peuple bété à faire la promotion de ceux qui émergent dans la qualité. En tout cas, vous l'avez découvert dans deux acapellas, mais c'est encore rien. Alors, Wanyu Rodrigue, étudiant et artiste, musicien, compositeur, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et puis voilà, c'est vraiment le ministère de la Culture et de la Francophonie qui gagne même dans tout ça. C'est vraiment important. Alors, comme je l'ai dit, Wanyu, Rodrigue, tu vas faire encore un troisième acapella. Mais quand tu veux le faire, je veux voir des noms dedans. Alors, tu diras ta productrice, Agostino, Info Gagnant. Voici les trois. Okay. Et puis, au fur et à mesure que tu vas donner, je te donne des noms, tu mets dedans. D'accord. Tu es un créateur, n'est-ce pas? Quand je donne les noms, tu mets dedans. Ok, c'est parti. Nyapa foya ni agowo abe abaluo abe abaluo abe abaluo tobe kaiso kaike abaluo Agostino akaiza abaluo papa Agostino kaiza abaluo koko mawe akaile abaluo koko mo kaiza abaluo hatame yokwe na le kame zuzumia o zamba Clarisse. Juste te dire simplement, avant que je ne mette ton nom dans le son, que Dieu te bénisse d'abord dans un premier temps, mais sache que voilà ce petit truc. Maman Amawe, ou bien c'est papa Amawe. C'est une association. Ok, l'association, je vous dis merci. Mauvais, maman, méfie-toi de ta femme, méfie-toi. Ah, l'homme est mauvais. Maman Zaba Clarisse, dis à cette association que Dieu protège. Voilà, qui bénisse tout le merci monde. Beaucoup. Alors, vraiment, il n'a pas de prestations dans ces derniers temps, donc je suis en train de l'épuiser pour vous. Nous sommes à la découverte, effectivement, de l'artiste Rodrigue Wanyu, digne fils du peuple bété. Wanyu, il est de Ouagayo, commune, c'est dans le département de Gagnoua, c'est dans la région du Gor, et la région du Gor a toujours produit des artistes de qualité, des artistes vraiment qui font la fierté de la Côte d'Ivoire en termes de musique tradie moderne. En tout cas, voilà. Donc, Rodrigue, oui, papa. Tu es en studio oui, et tu es en train de préparer un album de combien de titres comme ça? Bon, un album de 8 titres avec l'aide de Maman Zaba Clarisse et son époux. C'est ça.
En tout cas, maman Zagba Clarisse, c'est ça, et Agostino Gueye, nous comptons vraiment sur vous pour presser un peu les choses afin que l'artiste puisse sortir très rapidement et que la radio-télévision presse toutes les structures qui travaillent pour le bonheur de la musique tradie moderne BT ensemble dans cette synergie. Nous puissions booster, en tout cas, l'étudiant Wanyu Rodri, qui non seulement est étudiant, mais en même temps, chance, ça veut dire que... Mais Rodrigue, tu es étudiant en quelle filière? Lycée en histoire. En histoire. Ouais, voilà, donc quand il est en même temps professeur d'histoire, il finit d'enseigner nos enfants. Alors, puis les gombos musicales, ça s'éclate dans le milieu du showbiz. Ouais. En tout cas, Rodrigue, moi je pense que tu fais vraiment de très bons choix. Merci. Tu fais vraiment de très bons choix. Merci. Alors, tu as dit tout à l'heure que quand tu dors, mais... Il y a d'autres, c'est pas quand ils dorment, hein. Eux, c'est quand la cigarette est dans leur bouche, c'est là qu'ils sont inspirés. Alors, dis-moi, pourquoi, pourquoi quand un artiste veut aller prester, je les vois souvent, ils ont besoin de boire du koutoukou, se saouler avant d'aller sur les, en prestation. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pour être franc avec vous, voilà, chacun a sa dose, chacun a son inspiration. Il faut comprendre que moi, je viens d'une famille... Je n'ai pas totalement aisé. C'est ça. Voilà. Donc, je ne m'attends pas à la cigarette. La boisson, c'est pas toi. C'est vrai que tu n'as bien, de temps en temps, il goûte. Mais je n'ai pas besoin de prendre soit de la cigarette, ni du bois, du koutoukou avant de chanter. C'est un art, c'est quelque chose que Dieu m'a donné. Donc, je n'ai pas besoin d'autre chose pour pouvoir m'inspirer avant de monter sur la scène. Donc, mais quand ils le font, c'est la peur du public. Non, ou bien... Il y en a qui trouvent que c'est le stress. La, le stress. Voilà, il y en a qui trouvent que c'est le stress, il y en a qui se disent que c'est la peur, la honte. Bon, il y a tant d'autres, bon, il y a pas mal de choses, je ne sais pas comment définir ça, mais ça, eux maintenant, ils disent pourquoi ils s'adonnent à ce genre de choses. D'accord. Voilà, donc, Papa Collé, Laurent, Massimo Killer, voilà, Tidiane, et puis Béticia, Zion Richard, je parle là de Lélé Bébé, Hubertine Tukwai, Kualaz Kouriz, Basse Bossan, Noël, ma jolie maman, et puis voilà, Célestine Foy, hein, notre belle maman, Juliette Boson, Chantal Nouveau, et puis voilà, en tout cas, toutes ces belles femmes qui composent l'association des mamans des artistes, ouais, voilà, nous avons aussi des bêtises qui chantent très très bien, en tout cas c'est une synergie et nous sommes fiers de faire la promotion des artistes BT et de faire la promotion des artistes ouais et de faire la promotion de tous les artistes. Et c'est ce qui est important pour la Côte d'Ivoire. Alors Wanyu, on va souffler un peu. Tu vas donner un quatrième acapella. Ok. C'est parti. Non, c'est pas un souci. D'accord. Waouh! Aïe, faut que tu rigoles gaza yukuri, hein? Yukuro B. Maman Zaba Clary souffre un peu de ça. Papa Agostino. Rodrigue ne vient pas pour rivaliser qui que ce soit, non, parce que déjà tout le monde découvre que voici un talent puissant qui arrive, tout le monde découvre que la radio-télévision presse ouais, est en train de mettre aux yeux de tout le monde toutes les bonnes qualités musicales. Alors c'est pas pour faire des jaloux, Rodrigue il vient pour s'ajouter aux artistes professionnels BT. Mais c'est vrai qu'il va faire du boom, parce que qu'il va faire du boom, hein, il va faire du boom. Il sera, si vous le voulez bien, l'Arafat
l'Arafat de la musique bété. Il va dépasser ce que les autres ont déjà dépassé. Lui, il ira au-delà de cela. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Alors, Rony, voilà. Alors, avant que tu n'arrives sur le plateau, moi, j'avais déjà une question qu'on m'a déjà posée. On m'a dit que tu as un style, une façon de t'habiller. Alors, c'est toi qui nous parle, une façon de s'habiller. Alors certains m'ont dit que cette façon de t'habiller là, elle n'arrive pas à tenir, c'est trop beau. Alors, ce style que tu te donnes pour, en tant qu'étudiant, c'est juste pour plaire ou bien c'est pour montrer que les artistes aussi ont vraiment de l'art. Alors, allons-y. Bon, moi, je pense que aujourd'hui nous sommes dans une Côte d'Ivoire moderne où tout le monde pense qu'il y a le genre musical qu'on appelle du coupé décalé qui envoie un genre, un style. Mm-hmm. Bon, moi, je n'ai pas... voilà, j'ai pas apprécié. C'est quand ça. J'ai dit, parce que je trouve qu'il y a certains jeunes comme moi aujourd'hui qui s'habillent d'une manière, ça ne me plaît pas. Mm-hmm. J'ai été éduqué d'une autre manière, mm-hmm. donc je m'habille en fonction, pas forcément en fonction de mes parents, mm-hmm. mais de... Pas pour séduire voilà, aussi. Hein. Pas pour séduire. Je m'habille simplement, je me dis que c'est simple. Bon, celui qui a envie de m'apprécier, qui m'apprécie, mais il sait que je m'habille normalement. Voilà, eux, c'est cette manière. Non, on dit la manière d'habiller séduit. C'est ça qui est le problème. Bon, là, là. Et pourquoi Bon, là, il ne sait plus quoi dire exactement, mm-hmm. mais moi, je pense. Mais il faut que tu leur trouves la réponse. Hein. Eh bien, bon, pourquoi ça séduit? Bon, les gars, chers femmes, chers frères, chers cousins, mm-hmm. ce que je peux vous dire concernant mon habillement, mm-hmm. je peux d'abord vous dire, vous demander d'abord de dire merci à mon papa, mon fils Dominique, mm-hmm. qui m'a obligé à rester naturel parce que j'aime tous ceux qui sont naturels, que ce soit femme comme garçon, mm-hmm. j'aime tous ceux qui sont naturels, donc je m'habille ici naturel. La preuve, les gars, tellement ici en tissu, c'est ça. Voilà, j'ai pas porté des petits trucs, et c'est ça qui s'est vu en fait. C'est cette voilà. simplicité de Rodrigue. Voilà, ok, on va donner un cinquième acapella pour les dire voilà pourquoi ça séduit. Allons-y, Rodrigue. C'est tout court pour vous dire simplement que, à chaque fois, comme papa vient à peine de dire pourquoi tu t'habilles simplement, il veut dire simplement que moi je ne demande rien à quiconque. C'est ça. Voilà. Mm-hmm. C'est Dieu qui m'inspire. C'est ça. Voilà. Tout ce qui vient de moi provient de Dieu. Donc la manière, il n'est pas intéressant, il n'est pas nécessaire d'être jaloux ou bien envieux. C'est que sur un artiste doit tout être bien propre, habillé. Voilà, il faut être vraiment à l'image d'Arafat. Il a démontré ça plusieurs fois. Alors donc Rodrigue, et puis en plus, n'oublie pas, c'est un étudiant, un futur professeur. Mmh. Il a vraiment le devoir d'être toujours clean. Et puis il faut être clean quand ta musique aussi est clean. Je vais demander à tous les espaces BT. En tout cas, moi, je voudrais vous encourager à faire en sorte que l'artiste Wanyu Rodrigue, ce talentueux artiste, musicien, compositeur, cet excellent étudiant en histoire, vienne de prester aussi sur votre espace, parce que là, ça va vous permettre encore d'innover sur vos espaces BT et de permettre encore aux uns aux autres de découvrir cet artiste. Wanyu Rodrigue, alors tu es de quel village précisément? Je suis de Siogoku, sous-préfecture de Ouragayo, mm-hmm. dans la région du Gor. Alors, la musique, dans tes chansons, de quoi tu parles? D'abord, je parle de la sagesse, conseil dessus. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire, je donne plus de conseils mm-hmm. à mes fans, à tous ceux qui m'écoutent. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a trop de choses qui se passent. Bon, je n'ai pas envie de dire certains noms, mm-hmm. mais il y a tellement de choses qui se passent. Ça fait que je préfère donner conseil, je préfère parler de la vie exactement pour qu'on puisse comprendre de quoi il ne s'agit pas de vivre et puis vivre d'une manière. Mm-hmm. Et voilà. Faudrait qu'on en profite une fois étant sur terre, on nous a déjà accouché. Il y en a qui disent je suis déjà né. Donc mm-hmm. il fait n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. On vient sur la terre ou bien on grandit, on vieillit pour réaliser, pour se déterminer. Mm-hmm. Voilà un peu ce que je peux dire aux gens. Voilà. Le conseil surtout et puis parler, donner conseil juste aux gens. Parce qu'il fait l'exemple sur mm-hmm. Modouin, Zilion Dodo la terre, mm-hmm. Eddie Boué et Dali Dédé le Zoubouman. Mm-hmm. Voilà, je les apprécie beaucoup. D'accord.
c'est ça. D'accord. Voilà, alors vous avez bien entendu ici l'artiste Wanyo Rodrigue qui est sur le plateau de l'émission Au cœur des artistes tradimodernes. Cet artiste que vous avez découvert, vous avez vraiment vu combien de fois j'ai raison de dire qu'il chantait tellement bien et qu'il a vraiment de très bonnes qualités. Il est question alors que nous valorisons et que nous faisons la promotion de tout ce qui est bon. Alors Rodrigue Wanyo, comme je l'ai dit, il est en studio actuellement, il est activement en studio d'ailleurs même. Et puis il va faire sortir un premier album de 6 titres, cet album qui va faire boum ici en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit, Guéré, Bété, c'est une synergie qui donne toujours quelque chose qui plaît à la Côte d'Ivoire et qui plaît au monde entier. Partout où vous allez, personne ne peut vraiment discuter ce que je suis en train de dire. Alors donc, tous ceux qui veulent vraiment, hein, dans le pays Bété, tous ceux qui veulent vraiment que Rodrigue quand même mentionne leur nom dans leur album. Alors, il va vous donner le contact, Rodrigue. C'est le 04 37 27 02. D'accord, on va le dire doucement. 04 très bien. 37 mm-hmm. 27 mm-hmm. 02. Mm-hmm. Il y a aussi le 57 mm-hmm. 55 mm-hmm. 78 mm-hmm. 30. Très bien. Alors, Rodrigue, cette fois-ci, on va revenir un peu en Bété. Tu vas parler en Bété et tu vas dire à tes parents Bété que tu es artiste, qu'ils se préparent vraiment à recevoir ton album qui va sortir très très bientôt. Et tu vas leur dire que pour le moment tu es là, prêt pour prester dans toutes les cérémonies, mariage, anniversaire, tu es vraiment dispo. Ça c'est embêté. Okay. Vas-y Rodrigue. Et bien le bledou, elle s'est adoubou yaka ya goto goto zote ya yuzo ala me ene numéro de tete ma yanko okro ay yame yire dake ya yake yate yote ibele ke bre ane meme ke ane beke anno wi oke deme kakame bale nuke ibele la ekone deme oko deme omaje no i deme no deme deme ne eye eya yungona kuli le don e wo kanye aya wo make e popo ake yi. Très bien. Alors voilà, quand vous voulez suivre cette belle émission et la partager, allez sur notre page, sur toutes nos pages Facebook, tapez Info Gagna Presse Web, tapez Gagna Presse Écrite Web, vous tapez Radio, Gagna Télé en ligne Web, et puis ça c'est sur Facebook. Vous pouvez aller aussi sur notre site internet, vous tapez www.radiotelevisionweb.com. Vous êtes sur notre site internet et puis vous pouvez aller aussi sur notre YouTube, vous tapez Info Gagna, ou vous allez sur notre deuxième YouTube, vous tapez Radio Télévision Web et puis vous allez suivre toutes ces prestations, ou bien vous allez aussi sur nos pages officielles, vous tapez Radio Télévision Web, Presse Web, vous allez sur la page officielle, vous allez suivre tout ça et vous allez partager pour tout le monde. En tout cas, nous sommes en train de faire un travail colossal pour la promotion de nos artistes tradimodernes afin que la Côte d'Ivoire et le monde entier soient gagnés par la bonne musique tradimoderne. Alors, Wanyou, nous sommes à la fin de notre émission. Alors, pour terminer cette émission, tu vas faire encore un dernier a cappella. Un dernier a cappella, vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, comme je l'ai dit, il était sur notre plateau. Lui, c'est Wanyou Rodrigue, étudiant en histoire et en même temps artiste, musicien, compositeur Bété. Il est largement suivi par Zaba Clarisse et puis Guy Agostino, voilà, qui sont en train de le suivre. Et puis, ces deux personnes, que Dieu vous bénisse au quadruple de toutes les actions que vous allez poser envers Wanyou Rodrigue, mais continuez toujours de le soutenir jusqu'à la fin de sa carrière musicale et puis jusqu'à la fin aussi de sa carrière
professionnel. Ça, c'est très, très important. On ne se décourage jamais. Il faut tout... Et puis, vous avez fait le très, très bon choix. En tout cas, les BT, nous, on est fiers de vous. Et c'est pour cette raison que nous faisons la promotion de tout ce qui est très, très bon chez vous. Voilà, c'est sur cette belle note que nous allons nous séparer. Et puis, nous vous disons au revoir. Nous sommes à la prochaine. Bye, bye.